de livres, enfin des euros, qu'est-ce que ça, c'est 1 million de livres, c'est-à-dire 1 300 000 euros étaient offerts aux gagnants du Ghost Million. C'est la raison pour laquelle, c'est la toute simple raison pour laquelle SoulCity a préféré, après sa victoire dans le prix de la Rochette, se présenter comme le favori du prix Jean-Luc Lagardère en France, mais SoulCity, évidemment, son entourage, qui n'a pas de problème de fin de mois, mais qui lorgnait sur cette énorme allocation, a fort logiquement, on le ferait tous, préféré courir après 1 300 000 euros qu'après une poignée de main dans le prix Jean-Luc Lagardère. Et un beau trophée offert par France Gallo, avec une bouteille de champagne, une bouteille de chambon, une moitié. Et donc SoulCity a remporté cette épreuve, l'épreuve de cette édition-là, parce que ces courses-là sont extrêmement compétitives, en l'occurrence c'est en Irlande, c'est une courbe concurrente. Et SoulCity est le premier fils de Elusive City à faire la montée en France. Il a débuté l'année dernière au Haras du Sable, chez René Simon, où il reste, enfin, sa deuxième saison de montée en 2013. Elusive City est le maire Polish Tapio, donc une origine de pure vitesse. Polish Tapio est un très grand sprinteur, un cheval très épais, petit cheval très épais, très épais que ça. Et donc SoulCity est un fils de Elusive City, lui-même fils de Elusive Quality, et voilà, il est très marquant pour les vaches américains. Et le Elusive City,